Francosphère. Dominique Rodrèze. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui trouve que la planète ne tourne pas rond. Alors notre sphère fait une révolution sur elle-même et donne voix aux damnés de la Terre, à l'image de Frantz Fanon. Dans une compilation des luttes, le rappeur Rossé, notre invité, a réuni 24 morceaux et discours des Antilles-Guyane, de Calédonie, Algérie, Vietnam, Québec, Afrique, Haïti, bref, de toute la francophonie, dressés contre l'ordre établi et l'idée de colonie. Sa santé, la France, dit-elle en se pinçant le nez. Elle, c'est Gisèle, une Française du Maroc, qui, dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, se souvient de l'odeur de vieux papiers et meubles cirés chez ses grands-parents en Provence quand elle y revenait en vacances. Le saviez-vous, Pierre Larousse, l'auteur du dictionnaire, était un libertaire. Son anarchisme ne transparaissait pas forcément dans les expressions qui lui étaient chères. Confirmation dans le Speak French de Jean-Marie Chazot. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Rossé. Bonjour. Rossé comme un rock avec un « et » au bout, c'est votre nom de rappeur, ouais. Votre nom d'état civil est beaucoup plus long, il reflète vos origines multiples, José ou Rossé, Youssef Lamine Kaminski, de la francophonie, diriez-vous, comme Kateb Yassine, vous qui êtes aussi né en Algérie, que la langue française, c'est le butin de guerre des Algériens et des ex-colonisés en général ? Oui, c'est ça, c'est pour ça que ce projet, ben voilà, c'est en langue française. Alors dans votre CD livret, justement, parler d'années de la Terre en écriture inclusive, hein, c'est-à-dire E.E.S, bien qu'il n'y ait que 4 femmes pour 20 hommes en tout, ce qui relie toutes ces voies de lutte entre 1969 et 1988, c'est justement le français qui dit une forme de lutte différente des autres. Ouais, c'est l'idée en fait de se rendre compte que tous ces peuples qui sont un peu comme ça éparpillés comme ça dans le globe, ils sont pas éparpillés au hasard comme un lancer de dés. C'est qu'en fait ils font partie d'une histoire commune qui est celle des colonies et que c'est pour ça que cette langue est là. C'est ce qui paraît comme ça. On va dire qu'on le dit, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça qu'on le vit tous les jours dans une classe par exemple de collège ou autour de nous il n'y a que d'autres enfants des diasporas. Est-ce qu'on peut en faire une forme de contre-histoire en marge de l'histoire officielle? C'est exactement ça, c'était ça le but en fait. C'était de montrer que par rapport à l'histoire en fait qu'on nous apprend à travers les livres scolaires, il y a l'histoire sous cette histoire-là et prolongée par des musiques sous la musique qu'on nous montre. Alors vous parlez beaucoup d'école, de collège. Est-ce que cet album a pour ambition de figurer dans les collections des CDI, des centres de documentation et d'information? Exactement. Puis ma volonté première, ça serait aussi que ça figure chez les énarques parce que c'est eux les premiers que j'aimerais éduquer avec un projet comme celui-là. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Rossé, laissons à Corinne Alexia le soin de vous le présenter dans son portrait coupé et décalé. Qui ne connaît pas Rossé ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Vous vous interrogez sur son identité ? Eh bien, ça tombe bien, car de ce sujet, le rappeur français est tout imprégné. La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire, la langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière, installant dans les chaumières des mots révolutionnaires, enrichissant une langue chère à nombre d'années de la Terre. Au condamné par une certaine France, le père de Rossé a voulu donner une chance. Adolphe Kaminski, russe de Buenos Aires, les a sauvés grâce à sa vie de faussaire. Le juif Adolfo est entré en lutte contre Adolf Hitler. Bien placé pour savoir que les papiers se volent, Rossé leur préfère les paroles. Plus elles sont rappeuses, plus le rappeur a envie de les attraper. Car derrière chacune de ces paroles, il y a une femme, il y a un homme, il y a un désir d'humanité. Vous avez de qui tenir avec ce père nonagénaire, anti-nazi, anti-colonialiste notoire qui fabriquait donc des faux papiers pour la bonne cause. Il en a même fait pour Cohn-Bendit en mai 68. Vous avez biberonné Rossé au lait rouge de la Révolution ? Moi, en fait, mes parents ne m'ont pas spécialement transmis un engagement. Ils m'ont transmis plutôt des principes de vie, un humanisme. Mais ils faisaient pas partie d'un parti politique. Ils m'ont pas, ils m'ont pas donné une éducation, un peu tracte ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai grandi, plutôt en écoutant du rap français dès mon plus jeune âge. Quoi. Argentine, russe, algérienne, française, ce sont vos origines familiales, c'était un Babel linguistique chez vous ?
Pas plus que ça, enfin un peu quand même, parce que ben voilà, moi je suis né en Algérie, ma mère me parle en algérien, mon père en français, j'ai grandi en France donc on parle en français, et voilà, donc effectivement il y a de la multiplicité de langues, mais voilà, comme beaucoup de gens quoi au final. Dans ce portrait, on a entendu un très court extrait de votre rap « Je chante la France ». Contrairement à beaucoup d'autres dans l'Hexagone, les figures de Césaire, Fanon, Glissant, Damas, Tchibaou, elles vous ont toujours été familières ? Non, c'est alors il y en a beaucoup que j'ai découvert en faisant ce projet-là. Il y en a beaucoup aussi auxquels je me suis accroché parce que je les avais découverts avant et c'était les raisons pour lesquelles je faisais un projet comme celui-là. Et en fait, c'est des compagnons, on va dire lunaires, parce que beaucoup sont décédés, beaucoup sont des compagnons, voilà, parce qu'ils ont écrit des livres. Je les considère moi comme des compagnons, même s'ils sont pas là, qui m'ont présenté d'autres. Et voilà, donc il y en a comme ça une multitude que j'ai voulu mettre dans ce projet. Vous êtes rappeur, vous regrettez ce qu'est devenu le rap français que vous avez vu naître ? Non, parce que je le trouve engagé malgré tout, malgré une époque qui ne l'est pas en fait. C'est surtout l'époque moi que je critique, cette époque de l'individualisme, cette époque du capitalisme solitaire qui émiette les fraternités. Mais au final, le rap recrée ça un peu à sa manière, comme il le peut, avec des gens qui sont plutôt jeunes et qui ont le mérite d'essayer. Malgré le côté bling-bling, malgré la violence du rap qui existe aussi ? Oui, parce que je considère qu'il y a quand même beaucoup de postures et dans ces postures-là, on peut quand même y trouver de l'engagement. Et je pense que c'est plus cette société d'adultes qui est à déplorer, qui eux devraient porter une responsabilité que celle des gens qui sont encore enfants et qui font ce qu'ils peuvent pour résoudre ça. La logique de Boris, c'est l'écorchure qui s'infecte, c'est le microbe qui se délecte quand se rengorge le furoncle. C'est la fissure qui rigole et la rigole qui se fend la gueule. C'est la chaussure qui prend l'eau, c'est la peinture qui s'écaille, la moisissure prend ses ailes. La logique de Boris, c'est la chemise qui se fait la malle, la redingote qui est en crise, d'avoir été par trop portée, souillée, lavée et empesée. Et la couture n'en peut plus, la triserie de la reprise. Un petit point de chaîne à droite, un petit point de croise à gauche, un petit point arrière devant, un petit point devant derrière. La logique de pourrissement. C'est la centrale qui pisse la mort et la rivière qui a mal au froid. C'est la crevette qui rend l'âme et l'arbre à pain qui a le blues. C'est l'eau de coco en berlingot, c'est pour bientôt, je vous le dis. C'est la corde de la mer igname qui étrangle la mer igname. Extrait de La logique du pourrissement par le Martiniquais Joby Bernabé, morceau de 1985, présent sur votre CD. Joby Bernabé, c'est un rappeur, Rossé ? Moi, je le considère comme tel. Je pense que lui considère comme un artiste. C'est incompatible. Si, c'est compatible, mais c'est vrai que souvent, quand on est artiste, on n'a pas envie d'être réduit à une case et on fait partie de toutes les cases. En tout cas, on fait partie de tous les possibles. Alors, justement, est-ce que c'est à cause de sa polyvalence qu'à 73 ans, parce qu'il est resté inclassable, il n'est pas mieux exposé ou c'est pour d'autres raisons ? En tout cas, pour la plupart des gens qui sont dans ce projet, ce dont je me suis rendu compte en le faisant, c'est de cette injustice de hiérarchie entre le mot francophone et le mot français. Ça veut dire que ce soit la littérature francophone sous la littérature française, la musique francophone sous la littérature française. Les francophones n'y sont pour rien. C'est quelque chose en fait qui est, c'est une espèce de symbolique qui est là comme ça et qui, je pense, est un héritage de la colonisation qui fait qu'on hiérarchise encore, comme on hiérarchise en fonction de là d'où l'on vient, en fonction de notre pièce d'identité et de notre lieu géographique. Les choses sont centralisées au final. Alors pour parodier Césaire, les francophones seraient des Français entièrement à part ? Ouais, il y a un côté comme ça, mais à part, ça ne me dérange pas. En dessous, ça me dérange par contre. Dans cette anthologie des luttes, vous avez privilégié, Rossé, plutôt les morceaux ou les personnes ? Il y a les deux.
J'ai pas réussi à différencier. C'est vrai qu'il y a cette phrase qui dit qu'il faut différencier l'art et l'artiste. Moi, j'y arrive pas. J'ai voulu contextualiser justement à l'inverse, ne pas invisibiliser qui était derrière les morceaux. En fait. Alors, vous avez parlé de rencontres lunaires pour certaines qui n'étaient plus de ce monde, mais est-ce que vous cherchez à rencontrer toutes les personnes encore vivantes réunies dans votre album ? Bah oui, forcément. Ça, je suis curieux et aussi j'ai envie qu'ils soient au courant que je fais ce projet. Pour moi, c'est un prolongement de quelque chose. J'ai envie qu'ils soient avec moi dans ce projet. Francosphère, Dominique Rodret. Nous sommes en compagnie du rappeur Rossé, à qui l'on doit ce qui peut être considéré comme la première compilation francophone engagée, sur laquelle on retrouvera aussi bien Eugène Mona et Guy Corneli que le général Diap et Ho Chi Minh, en passant par Claude Péloquin, Dan Bellani et Salah Saadawi. Il a fallu des années pour établir cette sélection. Nous allons donc vous permettre, Rossé, de goûter un repos bien mérité grâce au goût de l'enfance d'Anne Bono avec Gisèle, une Française du Maroc qui se souvient de toutes les odeurs qui l'ont marquée. Ah, les violettes, l'eau de violette. Pour ça, tout le monde en est du bien dans le quartier. Entre Nice et Cannes, la grâce, voilà. Qui dois-je annoncer ? Votre nom, s'il vous plaît. Des fois que ça vous intéresse de le savoir, je suis la reine de Saba. Attendez. Ma mère aimait beaucoup les violettes, mais donc, bien sûr qu'au Maroc, elle était assez privée. Je vous ai fait beaucoup de mal. Un peu. Mais je m'en remettrai. Mais elle avait toujours de la violette et elle disait que c'était sa fleur préférée. Et elle avait donc, elle a toujours, d'ailleurs, j'ai gardé à la maison un joli petit flacon qui sent plus rien. Je suis content que vous soyez revenu parmi nous. Je ne vous laisserai jamais plus repartir. Jamais ? Jamais. Et elle te mettait sur le mouchoir avant d'aller à la messe. la violette. Et puis la cire d'abeille de Provence. Alors ça, c'est quand on est venu en France et on allait chez mes grands-parents à Martigues et personne n'aimait y aller parce que ça sentait... Pour moi, c'est pire qu'à la guerre. Ça sentait, les meubles cirés, alors que ça sent bon, là, les meubles cirés. Nous, on n'aimait pas. Ça sentait la cire d'abeille, les vieux meubles... Le cabinet de mon grand-père était rempli de papier, donc ça sentait le vieux papier. Et mes frères et sœurs disaient « Oh là là, ça sent pas bon, ça sent la France !» Alors parce que nous, on avait quand même toutes les bonnes odeurs, des tapis, du cuir, voilà quand même ça, c'est ça. Les tapis, le cuir, le cumin. Voilà. Je suis devenue toute rouge, j'ai eu envie de pleurer. Mais je crois que c'était aller chez les grands-parents surtout, c'était l'odeur qui s'associait à leur maison et... Parce qu'il fallait bien se tenir et tout ça, c'était chiant. Ouais. Je crois que c'était plutôt ça. Avez-vous gardé des senteurs de votre enfance, Rossé ? Des senteurs qui sentaient pas bon et puis des qui sentaient meilleurs ? Ouais, bah oui, forcément. Et puis c'est vrai que la mémoire de l'odorat, je crois, elle est très 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 puissante. Et c'est vrai qu'on peut des fois un jour se dire il y a une odeur et puis on arrive à préciser le lieu. C'est assez impressionnant en fait, la mémoire du nez, ce que c'est. Et forcément comme tout le monde, hein, moi aussi il y a des odeurs qui me font rappeler l'enfance. C'est sûr. Lesquelles vous... Le jasmin, parce que dans la cour en Algérie, on habitait à Blida et dans la cour, il y avait, en plein milieu de la cour, il y avait un jasmin. Donc le jasmin forcément me fait penser à ça. Quel goût vous a laissé votre enfance ? Très très joyeuse, hein, génial. Hein, moi, donc ma mère, elle a plein de sœurs. J'étais 7 et donc du coup, on a été élevés par toutes ces femmes, quoi. C'était génial. Alors pour en revenir aux origines mêlées, chez vous, on mangeait du couscous en buvant du maté. Alors, on ne buvait pas du maté, mais effectivement, manger du couscous parmi aussi plein d'autres plats. Et puis, ça, c'est jusqu'à 4 ans. Après, je suis arrivé en France. Je retournais en Algérie tous les étés. Mais assez varié, quoi, au final. Hein, j'ai eu la chance d'avoir une enfance assez riche en culture, quoi. Pour en revenir à l'album, qu'est-ce qui, selon vous, donne le goût de la lutte ? Ou plutôt, est-ce qu'il y a un point commun entre tous les combattants que vous avez sélectionnés ? Alors, il y a plein de points communs. Et je les ai découverts en faisant le projet et j'étais à chaque fois en même temps agréablement surpris et en colère que personne ne me l'ait dit avant. C'est ça un peu le paradoxe, c'est que les points communs, c'est qu'ils se connaissaient tous sans vraiment se connaître, parce qu'ils avaient, en fait, c'était l'époque du tiers-mondisme, l'époque des non-alignés, et en fait, ce qu'ils avaient en commun par-dessus tout, c'est un espoir.
C'est les projets de société. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, un projet de société. C'est même le mot paraît bizarre, un projet de société, c'est un peu bizarre comme mot. Et c'est ce qu'ils avaient en commun. Et donc, du Congo à Haïti, en passant par la Martinique, la Guadeloupe ou l'Algérie, en passant même par le Vietnam, ils avaient ça en commun. Et ils s'entraidaient, ils se donnaient de la force les uns les autres, en passant même par la France, les luttes ouvrières, les luttes paysannes. On se dit, mais c'est vrai, est-ce qu'ils se connaissaient? Moi, la pochette du disque me l'a prouvé. Ils étaient ensemble, parce que c'est marqué sur les pochettes de disques. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de résignés ? On vit dans un monde de résignés et tout nous le montre. Les séries, c'est des séries sur les vampires, sur les fins du monde, sur l'apocalypse. Les films, c'est pareil. Enfin, on a le soft power de la résignation. On a la culture de la résignation. Et donc, dire qu'aujourd'hui, ah tiens, j'ai une idée, j'ai trouvé des portes de sortie, on nous regarde comme si on était ringard quand on dit ça. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut remettre à jour aujourd'hui. On est à la dernière station avant le terminus ? C'est en tout cas ce qu'on veut nous faire croire. Et pour moi, le problème, il est là. C'est que c'est la mode de dire ça et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Sauf que y a des gens aujourd'hui qui naissent, ils ont 0 ans. Il y en a, ils ont 5 ans, il y en a, ils ont 12 ans. On ne peut pas en même temps ne pas être d'accord avec eux quand ils veulent casser cette société et leur dire qu'on leur présente la dernière station avec le terminus. Il y a un problème, en fait, c'est notre problème, c'est même pas le leur. Pour quelle forme d'expression contestataire avez-vous le plus de goût, véhémente ou tamisée ? Celle qui a une rigueur, une méthodologie. Le Camerounais Francis Bébé choisit, lui, de prendre les choses avec humour quand il chante les touristes qui viennent dans son pays. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, quand ils s'en vont, on est heureux. C'était leur façon très drôle de nous donner de l'argent qui nous faisait rire. Ils prenaient 2 ou 3 pièces de monnaie, et au lieu de nous mettre ça dans la main comme nous autres nous faisons lorsque nous offrons quelque chose, ils lançaient les pièces en l'air, et pas dans notre direction, hein. Alors il fallait voir cette course au trésor. Petits et grands, enfants et adultes, nous nous précipitions joyeusement sur les pièces d'argent. Nos bienfaiteurs étaient joyeux, eux aussi. Ils riaient aux éclats. Et il y en avait même certains parmi eux qui étaient si heureux de nous voir heureux qu'ils prenaient des photos de la scène. Ah, c'était magnifique, hein. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Francis Bébé, bien connu dans les Outre-mer, il était bien connu, ancien journaliste de RFI. Nous avions reçu ici sa fille d'ailleurs, qui dit Bébé. Est-ce qu'il n'a pas trouvé l'arme suprême pour dénoncer le post-colonialisme, Rossé, en le tournant en ridicule ? Bien sûr, je trouve cet artiste vraiment, je suis en totale admiration parce que effectivement, je trouve qu'il a un premier degré, un deuxième, un troisième, il a plein de degrés dans ce qu'il fait et on s'y retrouve tous au final. L'humour est plus fort que l'humeur pour se faire entendre de ceux que l'on veut épingler ? Lui en tout cas, il y arrive très bien. Vous avez fait le choix aussi d'inclure des bouts de discours comme celui de Jean-Marie Tjibaou à Nouméa en 1975 pour Mélanésia 2000. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Ces propos de Jean-Marie Tjibaou sont ceux qui ouvrent le CD. Si vous les mettez en exergue, c'est que vous les jugez aussi plus importants que n'importe quel autre ? Oui, c'est que en fait, ça traduit la volonté de ce projet mieux que une note d'intention que j'ai pu écrire qui fait une page. Pour moi, c'est il a dit en quelques phrases, il a expliqué mieux que moi pourquoi je fais un projet comme celui-là. C'est que si cette culture, si on la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Pourquoi ce choix d'inclure aussi du discours et pas seulement de la musique dans l'album ? En fait, c'était pas fait exprès au début. C'est que j'avais mis une espèce d'interlude de Léon Gontran Damas et qu'au final, je me suis rendu compte que certains discours
portent une beauté en eux, sont des discours d'espoir, de révolte, de lutte, et portent cette beauté qu'on cherche à trouver dans l'art. Alors Damas, justement, il revient deux fois, parce qu'il est deux fois moins connu que ses deux compères de la négritude, donc il faut doublement l'exhumer. Il y a un peu de ça. C'était une volonté personnelle où, effectivement, moi, c'est celui que je préfère. En tout cas, j'ai vraiment une sensibilité pour ce monsieur. Et du coup, je l'ai mis deux fois, effectivement. Et il y a peut-être un peu de ça. Ouais. On entend aussi, et toujours en français, deux leaders vietnamiens qui ont été très clivants en Occident, le général Diap et Ho Chi Minh. Eux, contrairement aux autres, ont conquis le pouvoir. Du coup, est-ce que ça reste des voies de lutte ? Eh bien, alors en plus, moi, le truc, c'est que j'y connaissais pas grand-chose en faisant ce projet. Et je me suis beaucoup posé des questions à savoir si je les mettais ou pas. Et j'ai voulu les mettre parce que je trouve que ce qu'ils disent, c'est pareil, en fait, reste très, très cohérent par rapport à ce projet. Quand les princes du port gardaient en main le sort, amis, des milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Le haïtien Mano Charlemagne en 1984 dans Le mal du pays pour un chanteur confronté plusieurs fois à l'exil. Dans le livret qui accompagne le CD, il y a ces phrases de lui. Je demanderai aux super révolutionnaires, francophobes le jour et francophiles la nuit, anti-impérialistes dans la vie, mais colonialistes dans leur vie, de m'épargner leurs baves. Je ne m'excuse pas d'être créolophone et je suis très conscient des limites et des erreurs dans la forme de certains de mes textes français. Comment est-ce que vous interprétez, Rosset, cette déclaration qui apparaît au verso de la pochette de son 33 tours Fini les colonies? Je pense que s'il a mis ça, c'est que je pense qu'il a eu souvent, il a dû avoir des remarques par rapport au fait de chanter en français, de s'exprimer en français. C'est les difficultés que j'ai eues à travers ce projet, c'était de trouver des morceaux en français parce que c'est une langue qui est quand même considérée comme la langue de l'élite. Donc trouver des morceaux qui critiquent l'impérialisme et qui sont des morceaux qui portent des luttes faits en français, il y a un côté un peu paradoxal. Et donc ça a été aussi des difficultés pour moi de trouver des morceaux comme ça. Est-ce que vous avez cherché non seulement une cohérence de propos, mais une cohérence musicale à l'ensemble de votre compilation ? Oui, parce que je suis artiste à la base et ce que je cherche pour moi, ça peut se justifier par le beau. Je voulais que ce soit beau avant tout. C'était pour moi le premier ingrédient. Et donc, du coup, que ce soit des interludes, des discours ou des morceaux, il fallait que je les trouve beaux avant tout. Je voulais pas que ce soit un projet forcé. Je voulais pas que les gens se disent je vais aller écouter ça parce qu'on m'a demandé de. Je voulais pas que ce soit trop scolaire. Je voulais que ce soit d'abord beau. Et Mano Charlemagne, c'est particulièrement beau. Vous avez un favori musical ? Oui, à la base, je cherchais des trucs stancés parce que je voulais que ça se rapproche du slam, du rap. Je voulais que ça se rapproche des Last Poets, de Gilles Scott Heron. Mais bon, en écoutant un morceau comme celui de Mano Charlemagne, voilà, on peut pas ne pas le mettre. Dernière séquence de l'émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot sur les expressions et proverbes disparus de Pierre Larousse, publié comme il se doit chez Larousse, sous la houlette du linguiste Bernard Cerchilini. Le titre choisi par Larousse est trompeur car on y retrouve du très familier comme la part du lion, la fin justifie les moyens ou encore semer la zizanie. Certaines expressions ont évolué sans qu'on sache pourquoi. On a ainsi longtemps donné sa langue au chien avant de la donner au chat. Mais c'est vrai que bien des expressions ou proverbes ne disent plus rien aujourd'hui, soit parce qu'ils sont liés à une France alors essentiellement rurale, où à cheval donné on ne regarde pas à la dent, c'est-à-dire qu'il convient d'être content d'un cadeau reçu, soit parce que la société s'est déchristianisée alors qu'on pouvait autrefois se croire le premier moutardier du pape, c'est-à-dire être persuadé de sa propre importance. Pierre Larousse était très attaché à décrire la langue populaire de son temps. Un autre Pierre, Desproges, en avait une vision plus acide. Quoi de plus réconfortant que de constater encore l'exquise sagesse de ces vieux dictons populaires que nos ancêtres, gorgés de vin rouge et boursouflés d'idées reçues, jetaient jadis dans l'âtre, au cœur paisible des soirées campagnardes.
Rosset, est-ce que vous faites la chasse aux expressions toutes faites dans vos raps ou au contraire, vous les affectionnez ? Ouais, je les aime bien parce que en fait, c'est très beau de prendre une expression que tout le monde a déjà entendue plein de fois et juste de la détourner un petit peu, juste un petit peu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Vous avez un proverbe que vous affectionnez particulièrement, non ? Non, là, comme ça, je ne saurais pas. J'aime bien aussi les proverbes complètement débiles qui sont dits à des moments où ils n'ont rien à faire là. Ça me fait rire. À propos de dictionnaires comme Larousse, est-ce que vous fréquentez beaucoup les dictionnaires des synonymes, par exemple, pour enrichir, pour diversifier vos textes ? Tout le temps. Jusqu'à, faut faire attention parce qu'après un moment, ça ne veut plus rien dire ou c'est pas du tout, ça ne sort pas naturel. Faut nuancer, mais c'est vrai que c'est toujours à côté de moi. Ouais. Dans les manifs, on entend « ce n'est qu'un début, le combat continue ». Mais pour votre choix de voix de lutte, il s'est arrêté en 1988. Depuis 30 ans, les voix se sont tues. Je pense qu'elles se sont tues. Je pense aussi que malheureusement, on n'a pas sauvegardé cette mémoire et que on est reparti. Enfin, à chaque fois, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Des fois, on va faire deux pas en arrière carrément. Et que là, on a besoin. Enfin, je trouve que c'est intéressant de les regarder celles-là parce que elles faisaient partie d'une époque et elles cristallisaient tellement d'espoir que c'est important de les revoir. Si plus personne ne lutte aujourd'hui, est-ce que c'est parce que plus personne ne croit qu'il peut gagner ? Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense aussi que, en fait, on nous a tellement émiettés, on a tellement cassé les groupes de lutte qu'on lutte pour soi. On ne se rend plus compte qu'on lutte pour soi. Vu qu'on ne lutte pas pour un projet, de toute façon, un projet commun, on lutte pour soi. Ce qu'on a appelé à un moment donné la fin de l'histoire, c'est ça, c'est la fin des combats ? Je pense que oui, que c'est la fin de la culture du combat. Parce que, au final, moi, je vois que quand j'en parle à des nouvelles générations, mais d'ailleurs, même comme aux anciennes, quand je leur en parle, ben voilà, je vois des étoiles dans les yeux, en réalité. Mais c'est que cette culture du combat, elle n'est plus là. Ça, quand je parle du soft power, parce que c'est ce qui me concerne, c'est la culture du combat n'est pas dans la culture telle qu'on la vit aujourd'hui. Merci beaucoup, Rosset. Je rappelle votre précieux album, Parler d'années en écriture inclusive, hein, Parler d'années de la Terre, des voix de lutte 1969-1988. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Tiphaine Vitet.